L'ailier nigérian, Samuel Kalou, devrait s'engager avec les Girondins dans les prochaines heures. Trop cher, l'attaquant brésilien Pedro ne viendra pas. Le jeune gardien, Gaëtan Poussin, va signer son premier contrat pro et sera numéro 2 derrière Benoît Costil cette saison. Stéphane Martin, le président des Girondins de Bordeaux, l'avait promis dès jeudi soir après la qualification pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Des recrues vont arriver dans les prochains jours. En effet, Bordeaux semble, enfin, accélérer sur le marché des transferts. L'ailier nigérian, Samuel Kalou, devrait être la première recrue des Marines et Blancs. Kalou en route pour Bordeaux. Comme révélé vendredi par l'équipe, les Girondins ont fait une offre à la Gantoise, Belgique, pour s'attacher les services de Samuel Kalou. Une offre autour de 10 millions d'euros acceptée par les dirigeants belges selon nos informations. Le joueur, auteur de 6 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, est en route pour Bordeaux. Il aura la lourde tâche de remplacer le Brésilien Malcom, parti au Barça. Il sera notamment en concurrence avec le jeune Zaïdou Youssouf. Pedro Trocher, la deuxième recrue bordelaise, ne sera en revanche pas le Brésilien Pedro, selon nos informations. L'attaquant de Fluminense, actuel meilleur buteur de son championnat, 9 buts en 14 matchs, est beaucoup trop cher pour les Girondins. Les dirigeants ne peuvent pas lutter avec un club comme Dortmund qui aurait proposé près de 20 millions pour le jeune attaquant de 21 ans. Pedro ne viendra sûrement pas aux Girondins. Mauro Pimentel, AFP Poussin va passer pro. Les Girondins peaufinent aussi leur effectif en interne. Après le prêt de Paul Bernardoni à Nîmes, la hiérarchie des gardiens restait floue derrière Benoît Costil. C'est finalement Gaëtan Poussin qui devrait être choisi au poste de numéro 2. Le jeune gardien international, formé au club, va signer son premier contrat pro, 3 ans, a appris 20 minutes.